Pour le son, ça, on a parlé de différents types de quadrangles. Un quadrangle, c'est une forme géométrique qui a quatre angles à quatre côtés. Première forme que on a parlé aujourd'hui, c'est rectangle. Un rectangle, il y a quatre angles qui sont carrés. Ça veut dire, il a mesuré 90 degrés, deux côtés égaux, et de l'autre côté, ça y est, égal tout. Mais, vous remarquez que côté ça, pas égal à côté ça. Pour qu'en forme géométrique, carré est en rectangle, il y a besoin quatre angles carrés, et puis deux paires de côtés qui égalent. Ça, c'est un square, un carré. Carré a l'étanco rectangle. Il y a quatre angles qui carré ou bien qui mesurent 90 degrés. Mais différence avec un rectangle, avec un square, c'est que tout côté en square égal. Alors, si vous avez mesuré tout côté, vous avez joué même bagaille. Parallelogram. Un parallélogramme, c'est un coup en rectangle lié. Il y a deux paires de côtés qui égalent. Seule différence là, c'est que si vous regardez angle, il n'y a pas un angle qui est carré. Deux angles ça y est égal, et puis deux angles ça y est égal. Ça c'est un parallélogramme. Forme ça, relé en rhombus. En rhombus, c'est un coup en carré. Parce que, il y a tout côté, yo, qui est égal. Mais, différence avec un rhombus et un carré, c'est que, il n'y a pas un angle qui mesure 90 degrés. Angle, ça, avec ça, il y a égal. Angle, ça, avec ça, il y a même égal. Il semblait un coup en diamant. Et puis, il y aurait l'aile en rhombus. Forme ça, il est en trapézoïde. En trapézoïde, il y a quatre côtés. Il y a deux côtés qui sont égales. Mais, côté ça, il n'y a pas égal. Si en quadrangle, il y a toutes propriétés ça, il y a en trapezoid.